Hey, pretty baby, with your eyes on, you give me fever like you've never ever known. You're just a product of loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. You're watching the Hector Bajo Show. See you soon, ladies and gentlemen. My name is Fab Morvan, formerly known as Milli Vanilli. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un superbe invité, Fab, ex-membre du groupe Milli Vanilli. Yes. Mais c'est vraiment incroyable. Je suis hyper honoré de te rencontrer. Non, mais c'est vrai, c'est un truc de dingue. Non, mon plaisir. Je suis très content d'être ici parce que le fait que, bon, on a une chose en commun. Et oui. Michael Jackson. La musique, Michael Jackson. Et ce truc-là, c'est incroyable. Ce que tu as bâti, mais c'est fait avec amour. Ça respire l'amour. L-O-V-E. Merci. C'est incroyable. Et bon, bah, de m'avoir invité ici, man, je suis très content parce que je sens l'énergie. Ah, et la musique, c'est l'énergie. Hmm. C'est. Ah, et je le sens, là. Je le sens. Et je te remercie parce que je crois que, tu sais, il y a cause and effect, action, reaction. Et là, ça m'inspire. Alors, je ne sais pas ce que je vais en faire de cette inspiration, ouais. Mais je vais l'utiliser à un moment ou à un autre. Alors, merci beaucoup. Ah bah, c'est super, ça fait vraiment plaisir. Alors, est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Bon, bah, je suis Fab Morvan, formerly known as Milli Vanilli. Et puis bon, on me connaissait en tant que Milli Vanilli. Et on a commencé, nos tubes sont sortis en 1989 avec « Girl, you know it's true, pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa, baby ». Ah ouais. It's a tragedy for me to see the dream is over. Blame it on the rain that was falling, falling. Blame it on the stars that didn't shine that night. Voilà, alors on a 1, 2, 3 et 4. Oh, oh, nothing. Numéro 5. Alors on a eu 3 numéros 1 aux États-Unis et puis un numéro 2. Voilà. Ouais, un numéro 2. Pas terrible, le numéro 2. Je rigole. Non, bon, mais c'est une histoire assez incroyable. Ah et ouais, puis bon, c'est ben, voilà, je suis là et je suis content d'être ici parce que ma renaissance musicale va prendre place de la France. Eh ben, c'est super. Mais moi, je suis très content parce qu'à l'époque, j'étais un peu plus jeune que toi, donc en 90, et je me souviens très bien de ces airs. C'est vraiment, ça m'a marqué à l'époque et c'est super tenu et tout. Fin années 80, c'était vraiment bah, toute une période qui me manque énormément. Ah, c'était incroyable hein, pendant ces eaux-là parce que c'était très hétéroclite au niveau là, du paysage musical. Et ce qui fait que bon, les gens ont essayé des trucs, des choses différentes. Bon, Michael qui est arrivé, qui était aussi notre standard. Bon, j'ai plusieurs standards. J'ai Michael, j'ai Marvin Gaye, j'ai James Brown, et etc., etc., etc. Mais je veux dire que Michael m'a vraiment touché. Et ce savoir-faire, parce que bon, faut dire que les gens qui font les choses qui semblent faciles, c'est hyper difficile. Attention, mesdames et messieurs. Ah bah, c'est sûr. C'est ça. Pour que ce soit naturel. Je m'en suis rendu compte au début, je me suis dit, wow. Puis parce que moi, je dansais aussi. Ce qui fait que bon, j'ai essayé de voir ce qu'il faisait. Je me suis dit, wow, c'est incroyable. Ce qui fait que mon respect, une fois que j'ai commencé à vraiment me mettre dans le plan de Michael et l'étudier, bon, j'ai entendu dire qu'il avait appris beaucoup de Fred Astaire et des années 30. C'est ce qui fait que bon, derrière ce talent incroyable, il y avait du boulot. Ah oui, c'est du travail. Ouais. Mais il disait toujours qu'il fallait étudier les meilleurs pour devenir encore meilleur. C'est ce qu'il disait. Voilà. Et c'est ça ce qui fait que bon, quand je l'ai étudié, bon, j'ai étudié sa philosophie. Et ce qui fait que cette philosophie m'a aussi imprégné, je dois dire. Voilà. Ah, c'est super. Et alors donc du coup, quand tu as eu donc, ton superbe succès, tu as pu commencer à rencontrer un peu des gens dans le showbiz, tout ça. Et donc tu as eu la chance d'aller à la maison des Jacksons. À Encino, oui. Alors,
une fois sur CNN, il a été reporté que Michael Jackson avait deux poissons rouges, qu'il y en avait un qui s'appelait Millie et l'autre Vanilli. Alors Rob et moi, on a fait attention. Et vu ce qu'il fait, bon, ils nous ont invités, je sais pas comment ça s'est fait, mais bon, on s'est retrouvés là-bas. J'ai rencontré la mère, le père, Jermaine, je pense qu'il était là, ou Jackie, je m'en rappelle plus exactement. Et puis bon, ben, on nous a emmenés dans le jardin, puis il y avait ces deux poissons-là. Mais Michael, il était aussi là, mais je vais pas vous raconter la suite. Ah, ah bon, on va savoir. On garde. Dira en off, alors en off tu me raconteras quoi, parce que là, moi qui suis hyper fan, j'en peux plus, je veux savoir. Ok, c'est cool, donc du coup, après ce énorme succès, bon après il y a eu des petits problèmes, on va dire, il y a eu toute une histoire. Non, je vais faire rapidement, Tu sais comment on est ici, parce qu'en tant que fan de Michael, on est assez contre aussi les médias, tout ça, grossi, tu vois, donc c'est pour ça qu'on peut parler librement. Ce qui s'est passé en parlant librement, et honnêtement, bon ben j'étais tout jeune avec Robert, et puis on a rencontré ce gros producteur, qui était incroyable au niveau du succès qu'il avait déjà eu, ce qui fait que bon, nous, en tant que jeune artiste, on va le croire. Il devient une figure de respect. Et puis, bon, ben, on est arrivé au studio, on a vu les disques d'or, on a fait, bon, on n'a pas à s'en faire, tout va bien se passer. Bon, à un moment ou un autre, le contrat est arrivé, la musique a été faite, il était temps de chanter. Non, vous ne pouvez pas chanter, on voulait chanter, on devait le repayer. Parce que, bon, si vous voulez sortir de cette situation, devait le repayer. Bon, alors on a fait, ok. Pour vous payer, on fait. On l'a fait en pensant que bon, on allait s'en sortir, mais en vérité, on n'y rentrait plus dans le truc. Ouais. Le succès est arrivé, séduit, oui, par cette vie, mais aussi par le rêve. Et le fait que les fans, quand tu es dans une position de quand tu es l'artiste, et tu cette connexion se fait, c'est pour toujours. Comme tu sais. Ah oui, bien sûr. C'est pour toujours. Et cette connexion, elle est invisible, mais elle est présente et elle est forte. Ce qui fait que se séparer, se divorcer de l'audience, c'était... tu fais le retour entre oui, non, oui, non, oui, non. Bon, on voulait chanter, bien sûr, avec chaque single. Mais on a réalisé que c'était impossible. Alors, nous sommes restés. Bon, il y a d'autres points techniques avec ça. Parce que bon, le piège a été bien tendu. Et ce qui fait qu'on s'est retrouvé contre le mur et puis bon... Mais cet amour pour la musique et passer sur scène était tellement incroyable que ça a continué à nous séduire et on est resté. Mais à un moment ou à un autre, on a fait non. Ce qui fait que nous avons décidé d'arrêter le truc. Lui voulait qu'on continue avec le second album. Mais on a fait non. Voilà. Ouais. En deux mots. Mais bon, c'est un peu dommage, mais une fois de plus, je pense que si les médias n'avaient pas grossi l'affaire à ce point, je pense que c'est un peu triste parce que c'est quand même vous les artistes, vous avez quand même fait des concerts. On a mis le boulot, vous avez fait beaucoup de travail. Ouais. Et bon, c'est un peu dommage. Mais... Bon, je vais dire un truc, l'industrie, elle est impardonnable. Ouais. Parce qu'on utilise ta jeunesse, ton talent. Et puis, on vous jette parce qu'eux, ils ont un certain agenda. Et notre agenda à nous, c'est de s'exprimer, se donner de l'amour, de faire sourire les gens et de leur donner cette énergie positive à travers la musique. Parce que bon, moi, j'ai découvert la musique et quand j'ai découvert la musique, elle m'a affecté. Elle m'a, comment on dit en anglais, moved. Ça m'a touché. Et quand je me sentais pas bien, j'écoutais de la musique. Là, je peux l'articuler, ça, mais... Au début, c'était musique. Alors que tu sois content ou tu te sens pas bien, c'est musique. Bien sûr. Voilà. Et bon, ben, la musique m'a infecté. Et puis bon, j'ai jamais pris le vaccin. Bon, ok, cool. Donc maintenant, parlons un peu du positif. Donc après toute cette histoire, donc maintenant c'est un peu le grand retour. Il y a plein de projets qui se profilent. Oui, mais pour le grand public, on va dire. C'est effectivement, quand on n'est pas devant la caméra, tout on croit qu'on a arrêté de faire des choses. C'est sûr que tu as dû continuer. Non, j'ai jamais arrêté, mais le fait que bon, j'ai tous mes interviews, je les ai fait en anglais. Voilà, ce qui fait que bon, la France était à l'extérieur de tout ce qui se passait. En un mot, voilà, c'est ça. Et ce qui fait que, bon, avec l'équipe Prestige Musique, Horatio Nussbaum, Avi Rosen, Elliot Cohen à Londres, là, l'équipe, bon, j'ai travaillé avec l'équipe, ça fait près de 5 ans qu'on travaille ensemble.
Mais bon, ben, je parle souvent de la maîtrise du temps et de la patience et du timing. Et le timing, c'est tout. Et ce qui fait que là, on est arrivé à un moment, à crossroad, un carrefour. Oui. Ouais. On est arrivé à un carrefour et là, il était temps d'y aller. Bon, à cause de tout ce qui s'est passé, ben, ben, on est parti au ralenti en 2020. Mais bon, là, 2021, ouais, ouais. On est allé à fond. Ça a pété, là. Ça pète. On est partout, bien sûr. Mmh. Et bien sûr, on fait tout ça. Mais le but, c'est la musique. Alors, on prépare un album, un album collaboration avec des artistes notoires internationaux. Et ça va être africain, français, anglais, de tout. Et au niveau musical, c'est très éclectique. Ouais. Voilà, parce que bon, je pense pas que... On peut pas mettre dans une boîte. Pourquoi? Avec la créativité, il faut s'exprimer. Voilà. Mmh. Et une des raisons pour laquelle je suis toujours là, toujours ici, c'est à cause de ma créativité, mon amour et ma passion pour la musique. Parce que bon, Michael Jackson nous a montré... nous a donné ouais, tellement d'exemples que bon, la passion c'est tout, voilà. Mmh. Et c'est bizarre parce que bon, il avait même pas besoin de parler, c'était une centaine, il adorait ce qu'il faisait. C'est communicatif, hein, ça. Voilà, c'est ça, tu vois. Ouais. Et bon, il a été instrumental à ma journée aussi, ça c'est clair. Mmh. Bon, et donc après un album, il y a aussi d'autres projets en cours Oui, alors ce qui fait que bon, finalement, parce que le monde du film. On a travaillé avec eux, ça fait des années, mais bon, c'est compliqué des fois. Mais là, finalement, on est en pré-production avec le film, avec Brett Ratner et Jeff Nathanson, qui a écrit Rush Hour, chez l'accent français. 1, 2, 3, Catch Me If You Can, Les Pirates des Caraïbes. Voilà, la personne, le scénariste. Et puis Brett Ratner, il a fait X-Men et Wonder Woman. Il était très proche de Michael aussi. Oui. Ouais. Ah, tu sais ça. Oui, hein, oui, exactement. Oui. Alors lui, il fait le film. On est en négociation avec le documentaire. On travaille avec les gens déjà. Et puis on finit bon le papier, voilà, c'est ça. Et puis il y a aussi la série TV. Aussi. Ah oui, carrément. Ouais, ça c'est en train de se modeler. Et puis il y a aussi le livre. Voilà, ce qui fait 1, 2, 3, 4. Plein de projets. Ouais. Mais tu sais, comme j'ai dit, la maîtrise du temps, le timing, il y a tout. Moi, je te dis, à la fin, quand je suis dans la salle d'editing, tu vois, d'editing, on coupe tout montage, là. Montage, la salle montage, je ferai. Avant ça. Il y a beaucoup de boulot. Il y a du boulot, voilà, c'est ça. Ce qui fait que, bon, des fois, ça accélère, ça ralentit. Mais avec mon équipe Prestige, là, on accélère parce que je sens que on est en contrôle. On sent que les gens, moi je dis, j'en ai parlé un peu autour de moi, les gens attendent. Je pense qu'il y a une sorte de nostalgie qui se remet en route et tout. On a envie de savoir ce qui va se passer maintenant. Quoi. Et ça, c'est comme un golfeur, tu vois, sur le terrain, tu vois, à la fin, tu vas de là à là avec ton swing, boum, tu fais 100 mètres. Mais quand tu te rapproches du green, du vert, tu sais, il faut vraiment le lire proprement, tu ne veux pas faire d'erreur, tu vois. Alors, ce qui fait que ça, c'est super important où on est, mais tout se passe bien, parce que je suis en bonne compagnie. Bon, bah, je te souhaite vraiment le meilleur, j'espère. Horace Nussbaum, Elliot Cohen à Londres. Ouais. Non, ça va fonctionner, c'est sûr. J'ai une question pour toi, là. Ah, alors, en ce qui concerne, parce que juste comme on parlait off, et tu nous disais que bon, Michael, il avait des sosies, et tu savais exactement que quand il y avait des sécurités qui n'étaient pas ces deux mecs-là, tu savais exactement que c'était pas Michael, tu savais que Michael, il était là, il n'était pas là. Alors, dis-moi, raconte-moi une des meilleures stories. Ah, des meilleures stories. Une des meilleures. Ah, c'est vrai que je ne parle pas beaucoup de mes histoires perso d'habitude sur ma chaîne, donc... Effectivement, j'ai rencontré, entre guillemets, Michael Jackson plusieurs fois. Alors, pas rencontré comme certains dans une chambre d'hôtel ou à Neverland, forcément. Mais j'ai eu beaucoup de poignées de main en bas des hôtels ou dans un ascenseur. Et ouais, il y a une petite histoire assez sympa. Une année, en 99, donc il était au Plaza Athénée. 99, ok. Ouais. Et donc, il était descendu à cet hôtel. Et donc, on était en bas de l'hôtel. Donc, on le voyait rentrer, sortir. Et alors, ce qui est fort, c'est qu'à la fin de cette semaine, on savait que Michael allait partir. Alors, c'est très marrant parce que... On n'avait pas de téléphone portable, mais on avait toujours des infos, tu vois. Je sais pas trop comment on a des infos, mais
ouais, là, c'est Michael, c'est bon, il va prendre un avion, il va partir, on sait pas où est-ce qu'il va. Et donc, du coup, je me souviens très bien qu'on avait une voiture de Locke, tu vois. On était là, en warning avec la voiture, on attend que Michael parte avec son van. Et là, on rentre tous dans la voiture, on le course dans Paris, sur le périph, tu vois. Et puis, à l'époque, c'est vrai que j'étais hyper jeune. Moi, les aéroports, je sais pas, tu vois, Orly, Roissy, je connaissais rien du tout. Et à un moment donné, on le perd de vue parce que le mec, il traçait hein, sur le périph, il était à 120, 130, je sais pas. Enfin. Et du coup, on suit à l'aéroport, on se dit, bon, on y va, on va à l'aéroport, on verra bien. Donc, on arrive à Charles de Gaulle, on arrive au dépose minute devant, là. On laisse la voiture limite avec la clé sur le contact, tu vois, on laisse tout, on part, tracé. On court comme des dingues, mais on savait même pas ce qu'on faisait quoi. Non. On arrive, on est là, et en fait on l'avait devancé, et il a 2 minutes plus tard, Michael arrive avec juste ses 2 gardes du corps comme d'habitude, et il nous passe comme ça, poignée de main et tout, oh salut, ça va et tout, machin, merci beaucoup, bah à bientôt. Ah, et là, cool. Il a pris un avion pour Johannesburg, donc il est passé, mais il a eu le temps de passer, de vraiment marcher de la porte d'entrée jusqu'à l'embarquement, vraiment, tu vois, ça a duré quand même une trentaine de secondes, tu vois. Ok. Et ce qui était vraiment fort, c'est là, enfin moi c'est ça qui me marquait le plus, c'est que tous les gens dans leur regard se sont arrêtés de respirer, sauf que les gens n'étaient pas du tout au courant que c'était Michael Jackson qui arrivait. Voilà, tu vois. Voilà, mais et tout là. Le monde s'est figé, tu vois, et il n'y avait plus un bruit, tout le monde a halluciné, tu vois, tu dis mais c'est pas possible, c'est un sosie, ça. Et ça c'était vraiment un truc de fou. Et en fait, moi toutes mes histoires de rencontres, c'est un peu des choses comme ça, c'est il y a eu beaucoup de choses manquées, oui. Mais des trucs à l'arrache qui finalement ont donné des trucs sympas, tu vois. Et ça, c'était vraiment, enfin, voilà, c'est un super bon souvenir. Et d'avoir eu l'opportunité de lui serrer la main, de l'avoir en face de toi, c'est un bah, c'est déjà ça. Je te dis, après, bon, ouais. J'ai des amis qui ont fait beaucoup plus. Oui. Et puis, oui. Mais c'est vrai que, bon, et puis après, comme je dis aussi souvent, c'était aussi une passion. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de souvenirs, même si je suis très fan de Michael, je vais peut-être faire rager des gens. C'était surtout une histoire d'amitié, tu vois, avec mes amis de l'époque. On était tout un groupe. Et c'est ça aussi qui reste, c'est toutes les aventures qu'on a eues ensemble, tu sais. Voilà, on était tous rassemblés autour de Michael, mais c'est aussi une histoire, tu sais, d'adolescent, ouais, de jeune, tu vois, qui... Bien sûr, c'était moi, super. Je dis toujours, en général, j'ai une cape qui dit « Music is life », « Musique, c'est la vie », ce qui fait que, bon, ça fait partie du fibre de notre vie, c'est le soundtrack de notre vie, ça. C'est ah ben, ça. C'est exactement ça. C'est ça, hein. C'est ça. La, ce qui fait que, bon, la bande quand... originale, ouais. Ouais, la bande originale, alors ce qui fait que quand on joue ces chansons-là, mais on célèbre la vie, on célèbre ses mémoires, on se célèbre parce qu'on ne vit qu'une fois. En fait, ce qui fait que vivez là au maximum, le temps il est super précieux. Ce qui fait que bon, ça, c'est mon sûr. Temps, ton temps, le temps il est précieux. Je m'en suis rendu compte très rapidement. Ce qui fait que quand on a connecté ce plan là, j'ai fait, tu sais quoi, on va le faire parce que non, je te respecte. Je sens là ta passion et ton respect pour non seulement pour la musique, tu vois, et ce qui fait que toute personne qui adore la musique de la manière dont tu le fais aussi, tu vois, c'est. Derrière ça, il y a du positif. Ce qui fait que tu t'es fait charger par du positif, tu vois, toute ta vie. Non, ce qui fait merci, que quand je suis assis devant toi, moi, les gens, je les scanne, tu vois. Et t'es cool. Ah t'es bah, cool, merci, vrai, merci. Tu vois. Alors, ce qui fait que moi, comme je dis toujours, l'action, c'est égal à la réaction. Ce qui fait que ça fait paf. Oui, on peut que générer quelque chose voilà. Encore plus. Ouais, voilà, ce qui fait que quand je viens ici, je m'inspire. Et puis, qui sait ce que je vais en faire de cette énergie. Mais je la garde. Voilà. Oh, super. Franchement, alors là, incroyable. Je n'ai plus rien à rajouter. Après ça, bam. Et voilà. Bon bah voilà. Bon bah en tout cas bah un petit mot pour ceux qui nous regardent pour la fin. Je sais pas si tu veux leur dire un truc directement. Mesdames et messieurs, ça nous a fait très plaisir de vous parler. Voilà. Vous n'êtes pas ici, mais vous êtes là quand même. Hein. Ils sont là avec ouais, nous. Ouais, ils sont là, ils sont derrière. Je sens qu'ils vont être hypés voilà. Comme jamais, comme on dit. Voilà. Ouais, alors bon ben, vous pouvez me joindre aussi sur mes réseaux sociaux. Voilà. Fab Morvan, Twitter, Instagram, YouTube voilà. Facebook. Je suis là. Chaque dimanche, j'ai un vlog. Et bon, ben, je parle, je prends les questions et tout. Alors, bon, ben, c'est le nouveau monde dans lequel on vit. Ben, c'est super. Et c'est être accessible aussi, c'est sympa. Ouais, c'est accessible, tu vois. Bon, avant, il n'y avait pas ça. Et ce qui fait que, bon, j'aime quand même le truc parce qu'il n'y a pas de middleman, il n'y a pas de personne au milieu. Ce qui fait que si vous avez des questions. Je suis là. Eh ben super, ben, ils voilà. T'enverront toutes les questions alors. Donc en tout cas, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, sur likez, Twitter, sur Instagram. Likez, commentez. Ben, attends, voilà, qui est la star ? C'est moi la star ici. Ben, voilà, ouais, okay. C'est toi, c'est ton et truc. Puis, ah ouais, je voilà. suis invité. Merci. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.